Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Failor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va découvrir un jeu ensemble. Aujourd'hui, alors moi, bon, ça fait très longtemps que je le connais et tout, donc bon, ça va pas vraiment être une grosse découverte pour moi. Mais peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas ce jeu et j'ai envie un petit peu de vous montrer qu'est-ce que donne ce jeu. Donc quel est ce jeu effectivement, hein? C'est Team Fortress 2 comme on peut voir à l'écran. Donc je vais vous présenter un petit peu le jeu dans cette vidéo et du coup je pense que je vais couper les moments chiants et tout et je vais vous mettre que les meilleurs moments, les moments où je fais des kills ou que c'est assez intense, etc. Je mettrai les petits trucs comme ça ou quand j'explique aussi les particularités du jeu, etc. Donc voilà, j'espère que ça va être une vidéo pas trop longue, quand même intéressante et tout à regarder. Donc on va commencer tout de suite et puis bah, je vais expliquer un petit peu ce que donne le jeu, comment l'avoir, c'est quoi le principe, etc. etc. pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi c'est un jeu à laquelle je joue depuis très très longtemps. Donc voilà. Donc on va commencer partie, on met en occasionnel et on va juste voilà, lancer la recherche tranquillement. Alors pour savoir, enfin faut savoir déjà que moi je suis niveau 16 sur ce jeu. Très bien. Donc voilà, je sais pas, c'est pas ouf, hein, mais je joue de temps en temps. Mais là j'ai envie de vraiment reprendre sérieusement et de vous partager un petit peu du contenu sur ce jeu. Puisque je m'éclate bien, honnêtement, je m'éclate énormément sur ce jeu, je le kiffe de ouf. Donc voilà, alors on rejoint un match pour le coup et donc c'est un FPS, voilà. Donc c'est un FPS qui est gratuit, donc il n'y a rien besoin de payer, c'est comme Fortnite, voilà, il n'y a pas besoin de payer. Et c'est du coup téléchargeable sur Steam, donc il n'y a pas de problème, il faut juste avoir un compte Steam et télécharger le jeu Team Fortress 2. C'est gratuit, vous pouvez le tester et si bah, le jeu ne vous plaît pas, bah, vous pouvez l'enlever après, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous conseille, vous qui êtes derrière votre écran, bah de tester le jeu et vraiment de au moins tester une fois, de jouer peut-être, je sais pas, 1 heure ou faire 2-3 parties. Tester, voir vraiment est-ce que vous aimez bien ou pas. Et puis bah, vous verrez bien. De toute façon, vous n'avez rien à perdre puisque vous n'avez pas d'argent à dépenser dans le jeu. Voilà, tout simplement. Donc vous avez le choix évidemment entre plusieurs classes, entre guillemets. Je vais vous montrer ça. Donc on a le choix entre scout. Lance-roquette, donc celui qui lance des roquettes, voilà, dans son nom. Celui qui crame, donc lui c'est un pyromane, en gros c'est une lance-flamme. On a également celui qui fait les bombes, enfin qui lance des bombes. On a le heavy, donc en gros qui rafale beaucoup, c'est celui qui a la grosse batteuse et qui avance lentement. On a celui qui construit les tourelles et aussi les téléporteurs ainsi que les soins, les trucs pour soigner. On a le medikit, enfin on a le medic qui soigne un maximum de personnes, voilà, tranquillement, c'est le support. Le sniper et le spy, donc du coup qui vient un petit peu se mettre invisible, se transformer en autre équipe, enfin voilà, en gros il se transforme, il se met invisible et il tue les gens par derrière. Donc voilà. Alors moi, ce que j'aime bien commencer en général c'est scout. Ah, ça va être déjà la fin de la game, je me semble. Non, c'est bon. Alors moi j'aime bien commencer par scout parce que honnêtement... Attendez. Ich. Ah merde. Voilà. J'ai eu mon clavier qui m'a gêné un petit peu. Alors du coup, bon, nous on est dans l'équipe bleue et il va falloir les buter l'équipe rouge. Donc voilà, il y a une équipe en face, c'est l'équipe rouge. Donc faut faire gaffe au spy, hein. Par exemple, lui ça pouvait être un spy qui s'est transformé en quelqu'un de l'équipe bleue. Donc moi j'ai un soigneur derrière moi là. On va en profiter. Aïe aïe aïe, je ne sais pas où il est. Voilà. Donc là, j'ai pris mon. Aïe 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 aïe. C'est ultra serré ça, les amis. Oh non! Oh non! C'était incroyable cette action là, les amis! Oh putain! Bon, vous pouvez voir que du coup, bon, moi c'est vraiment un jeu que je kiffe. Là, j'étais très très concentré, j'ai dû avoir des mimiques de ouf. Mais bon, je me suis fait niquer, GG à lui, vraiment bien joué. Alors, Scout, c'est un. Donc, le premier, c'est celui qui, voilà, qui saute un petit peu partout, qui va super vite et tout et tout. Donc là, c'est la fin de la partie. Bon, on arrive, hop, on va continuer directement. On a le choix entre trois parties, enfin trois cartes du coup, qu'on va choisir, vas-y celle-là, je sais pas, je connais pas vraiment trop trop bien les maps.
On est beaucoup par partie, après ça dépend honnêtement de la game où vous êtes. Mais honnêtement, je vous conseille vraiment, vraiment énormément ce jeu parce que vraiment, il est vraiment super, super cool. Je vous conseille de tester au moins une fois. Vous pouvez voir que j'ai déjà pas mal d'heures de jeu un petit peu sur tous les personnages qui sont disponibles. Donc le Scout, l'Engineer, Heavy, Sniper, Medic, Pyroman, Soldier, Demoman, Spy. Voilà. Donc voilà. Alors moi j'aime bien jouer les 4 classes que j'aime bien jouer, que je vous conseille pour commencer. Déjà, je vous conseille de jouer Scout, pourquoi pas. Après Pyro qui est assez facile à jouer honnêtement. Moi j'aime bien du coup Scout, Pyro, Heavy que j'aime beaucoup. Et mon main, donc la classe que je joue le plus, c'est support. C'est du coup le Medic. Et donc voilà, c'est surtout ces trois classes-là que j'aime bien jouer. Mais là, vu que pour me remettre dans le bois, vous voyez, j'aime bien jouer Scout. Ça me remet un petit peu direct dedans parce qu'on peut faire, par exemple, voilà, là, comme là, des doubles sauts. On marche très très rapidement. Vous allez voir un petit peu après quand je vais jouer des classes, d'autres classes, bah du coup, vous allez voir que c'est beaucoup beaucoup plus lent. Et de toute façon, dès que j'aurai fini de présenter un petit peu tout le jeu. Je vous mettrai que les meilleurs moments, enfin voilà, je vais enregistrer, je sais pas, une quarantaine de 30 minutes on va dire, et puis je vous mettrai les meilleurs moments, je sais pas trop combien, mais voilà, on va voir, et puis comme ça vous montre un petit peu mon niveau actuel sur le jeu, qu'est-ce que je suis capable de faire, et voilà, même si je suis vraiment pas ouf, mais bon, on essaye de s'entraîner en ce moment, on regrind et tout, on essaye de faire des trucs. Alors attention, il y a un scout qui est en train de GG à lui. Putain, il m'a en. Voilà, on va pas dire le mot. Il m'a mis super sûr. GG à lui. Bon, allez, c'est parti. On va changer directement. Je vais mettre Pyro pour vous montrer du coup plus le style. Donc là, vous voyez déjà que c'est. Aïe aïe, mais il est vraiment très très fort hein, lui. Hein, parce que regardez, je suis sorti du truc, j'ai perdu de la vie. Donc la vie est en bas à gauche. Si vous voulez savoir ça. Et donc le but c'est vous avez plusieurs modes de jeu évidemment donc en gros là je suis en train de le cramer voilà donc ça c'est le pyromane évidemment donc pour gagner là c'est quoi comme jeu mode de jeu il me semble que c'est point de contrôle ou un truc de genre donc va falloir aller à un point au milieu et réussir à va falloir réussir à. Ah, attendez, quand même là, voilà, j'étais en train de cramer un gars, un autre pyromane. Donc faut qu'on garde le point de contrôle pendant 3 minutes, un peu plus de 3 minutes, c'est ce qu'il y a écrit en haut. Donc là par exemple c'est l'équipe ennemie qui l'a, et donc ils doivent tenir 3 minutes, et donc nous on doit le reprendre. On fait toujours attention, ça peut être un spy. Donc je sais pas où est le point de contrôle, il est là, voilà, il faut, j'essaie, on peut le reprendre. Le problème là, c'est qu'il y a plein de gens en fait. Voilà, donc le pyro, c'est surtout fait pour voilà rentrer dans le tas comme ça. Essayez de le reprendre, bougez toujours. Et voilà. Donc après, vous avez pas que ça comme mode de jeu. Hein. Vous avez évidemment. Oula, aïe aïe, j'ai pris très très cher. Aïe aïe, je suis sur les bombes. J'étais sur les bombes du Demoman, donc très très compliqué de survivre à ça. J'ai eu beaucoup de chance. Vite falloir que je reprenne ma vie. Donc vous pouvez revenir à la point de départ pour reprendre de la vie s'il n'y a pas de médic, évidemment. Ils sont en train de reprendre le point de contrôle. Et dommage quoi. Voilà. Alors j'ai essayé de cramer des gens, mais bon, c'était chaud. Je me suis fait tuer par beaucoup de gens. Donc le truc, c'est aussi que, évidemment, il n'y a pas que ce mode de jeu. Il n'y a pas que point de contrôle. Il y a aussi course à la charge. Il y a aussi le classique où juste faut tuer tatatin de personnes parce que voilà, c'est cool. Il y a aussi. Putain, je sais pas ce qu'ils font là-haut, là, c'est très chiant. Je la connais pas du tout cette map, je vous avoue en plus. Ouais, vous avez. Attendez, parce que là, je peux me faire avoir. Aïe aïe. Ouais, j'ai pas très très bien joué. Ah, il avait que 13 HP, dommage. Voilà, il y a d'autres choses. Il y a évidemment. Il y a la course à la charge, donc faut avancer un wagon jusqu'à un point qui est à l'autre bout de la map, et donc il y en a qui sont en attaque et donc d'autres en défense. Il y a voilà le match à mort classique, on va dire. Pardon. Lui, il nous a pas trop respecté.
Moi non plus, donc voilà, hop, là on peut faire petite émote, petite danse. Mais voilà, vous avez un peu tout, vous avez pas mal de trucs comme mode de jeu, je vous conseille de tester un petit peu, je les connais pas tous. Mais il y en a plein qui sont vraiment cool quoi, donc n'hésitez pas. Je sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Je vais le cramer, je vais mettre ce qu'il mérite. Normalement il devrait mourir, hein. Non. Il meurt pas sur ça, dommage. Bon, c'est très chaud parce que vous voyez qu'il y a des snipers au fond et donc là je peux pas trop m'avancer, mais il me fait chier lui, hein, vraiment. Putain, c'est incroyable quoi, il crève pas le gars quoi. Et faut que je reprenne le heal à chaque fois qu'il est ici, ça c'est des petites heals comme ça. Faire toujours attention au spy. On peut prendre la hache et l'attendre comme ça. Ah non, ok, c'est bon. Donc je peux également faire ça. Ah, je vais me faire cramer là, c'est mort. Aïe aïe, je le voyais pas du tout arriver, dommage, quel dommage. Donc je pense que je vous ai à peu près tout présenté dans le jeu. Il y a chaque, bah voilà, c'est des grandes équipes. Chacun va aider l'autre avec sa classe. Il y en a qui vont rester de loin avec sniper. Donc c'est un petit peu pour n'importe qui, enfin genre n'importe quel joueur. Enfin genre il y a pas mal de styles, donc vous allez pouvoir kiffer quoi. Il fait trop le fou lui par contre. Hein. Hop, le mec il vient près de nous, mais bon. Là honnêtement on joue pas très bien, enfin là il nous domine encore, donc dommage. On va essayer de partir comme ça. Oh, il m'a pas vu. Hop là, on essaie de pas se faire tuer à la fin, ça c'est vraiment un gros défi. Donc voilà, je pense que je vais un peu tryhard et pas surtout me concentrer. Je vais arrêter de parler maintenant, je vous ai présenté tout le jeu. Et n'hésitez pas vraiment à aller le télécharger, je vous le conseille, il est gratuit et vraiment testez-le. Et c'est fait pour chacun d'entre vous, voilà, c'est un petit peu dans l'univers cartoon, mais c'est super sympa et super fun à jouer à plusieurs avec ses potes, etc. Même tout seul. Donc n'hésitez pas, voilà, tout simplement. Moi je vais en faire souvent en live. Et puis il y aura une vidéo jusqu'à fin mars dessus à chaque fois. Donc il y aura deux ou trois vidéos. Et puis après Far Cry 5, je reprendrai les vidéos dessus. Je reprendrai les vidéos dessus dès que j'aurai fini Far Cry 5. Et je vous promets des petits concepts très très sympathiques et je vais mourir sûrement. Aïe aïe, putain, j'ai pas réussi à lui mettre ce coup de hache. Je vous promets des concepts très très sympas sur ce jeu. Des best-of, épique, fail, fun. Je vous promets tout ça, des trucs de live, etc. etc. Des actions épiques, il y a quoi d'autre? Je vous prévois vraiment énormément de choses sur ce jeu. Des petites vidéos, voilà, plus. Un mode détente, mais pas trop longue, des condensés de game, des games où épique où on arrive à renverser la donne, voilà, enfin vraiment il y a plein de trucs, je vous conseille vraiment de tester le jeu. Il y a également aussi un mode de jeu que j'aime beaucoup, c'est les documents, en gros, on doit chercher les documents ennemis des ennemis du coup, dans leur poste, et le ramener à nos documents à nous, et donc voilà, c'est un petit peu... Comme on dit, je sais plus comment on appelle ça sur Call of d'ailleurs. Enfin, bref, j'aime bien ce mode aussi, donc je vous le conseille. Aïe aïe, putain, j'arrive pas à monter. Hop là, je l'ai cramé lui. Il arrêtait pas de camper. Sa mère, c'est quand même assez chiant. Putain, il y a une mitraillette là-bas. Là. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Mais il la répare à chaque fois en fait. C'est pour ça que je l'ai pas là, les amis. Non, lui il se fout de ma gueule par contre. Alors là, hop là, je me fais tellement plaisir! Ah merde, il y avait la tourelle ici, mais bon, j'ai réussi à cramer les trucs. Nice. Bon, allez, on change de classe et on va sur le heavy. Et là, vous allez voir ce que ça donne un petit peu. Je retournerai peut-être sur le pyro tout à l'heure, mais je vais vous montrer ce que ça donne un vrai heavy avec un gros tank. Hop là, par exemple. Oh putain, je suis dans la merde. Oh là là!
que je leur mets, c'est incroyable. Je suis un peu bloqué là, les amis. Je pourrais sauter là, mais. Oh oui, il m'a sauvé! Incroyable, t'es mon sauveur! T'es mon sauveur! Oh là là, on a gagné, mais c'était incroyable cette game! Aïe aïe, je suis. J'ai la médaille numéro 1. Aïe aïe. Et là, on peut danser en groupe comme ça. Allez, let's go, les amis! Il y a des petites danses de groupe qui sont très très sympathiques aussi, donc franchement, pas là là, énorme. Oui, moi je veux le faire. Moi je veux le faire. Je veux le faire, regardez, regardez, regardez. Mais non, j'ai perdu, dommage! Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça, c'est trop trop des barres, quoi, c'est vraiment énorme. Il y a vraiment des trucs où tu peux interagir avec les autres, tu peux danser, enfin vraiment c'est un mode, c'est tellement fun. Allez hop. Faut faire gaffe. Aïe aïe aïe, c'est surtout lui là qui va me casser les couilles. Allez! Quoi? On a perdu pas? Non, on a récupéré le point. Justement. Attention. Oh là là! Comment on joue bien! C'est incroyable ça! Allez, tiens, bouffe toi! Oh! Tain, là, là, ce qu'il m'a mis, mais ce que j'ai mis à celui d'avant là, c'était incroyable, hein. Bon, on devrait avoir fini. Ah putain, dans 6 secondes! Dans 6 secondes, on y arrive, les amis, on va faire le dernier rush. Allez, c'est parti, le dernier rush. Full scout. Voilà, ce qu'il faut faire sur les Demoman, c'est toujours les rushs comme ça. Oh là là! Mais c'est incroyable ce que je leur mets là. Ah punaise. Hein? Aïe aïe aïe, mais lui est vraiment. Allez, c'est bon! On prend, on prend, on prend. Aïe aïe. Oh punaise, mais c'est tellement serré cette game, les amis. C'est tellement, tellement intense. C'est incroyable. C'est bon, on a gagné. Yes! Yes, on a gagné. Yes! Yeah, man. Putain, c'était incroyable cette game. Comment elle était serrée. Elle était ultra serrée, genre. Oh là là. Punaise, tellement serré. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'était pas super longue et tout, mais c'était surtout pour voilà découvrir un petit peu le jeu et je pense que vous préférez aussi vous, dites-moi dans les commentaires, pardon, mais je pense que vous préférez surtout les vidéos très courtes comme ça, les vidéos un peu courtes de Team Fortress parce que une game de Team Fortress ça peut durer assez longtemps, donc dites-moi si vous voulez les games entières sans coupure ou que des petits trucs comme ça là, genre coupés, vraiment bien montés, etc. Que les meilleurs moments. Je pense que ça peut être plus intéressant, donc voilà, dites-moi, il n'y a pas de problème, je pourrais faire en fonction. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça ferait très très plaisir. Voilà, ça me soutient énormément et ça vous prend 2 secondes et voilà, ça. Moi, ça me booste à fond, donc n'hésitez pas vraiment, les amis, ça me ferait très 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 plaisir. N'hésitez pas également à commenter la vidéo pour voilà, c'est me dire justement bah, quel style de vidéo voudriez voir et est-ce que vous allez tester le jeu, est-ce que vous avez déjà testé, etc. Dites-moi tout ça, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à également vous abonner et à activer la petite cloche. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde.